8 rameurs au total cette année pour le team Tupuei. Pas réellement de gros changements dans sa structure. Sixième l'année dernière dans le top 20 à la course, la Polynésie la première. Le team compte bien se maintenir dans le top 10. C'est l'objectif affiché pour ce début de saison, malgré un léger retard dans le planning des entraînements. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé. Enfin, ça va, on n'est pas vraiment à notre forme encore. Hein. Bon, on va essayer de tenir notre place dans le top 20. Hein. Au niveau des tournois, ça donne quoi? On est en retard. On est en retard par rapport aux autres années. Et puis, on est en retard pour le moment. Ouais. Bah, t'expliques comment? C'est quoi? C'est avec l'arrivée de nouveaux rameurs, la pirogue, comment t'expliquer ça? C'est plus le... On a démarré plus tard les entraînements. Et puis le changement de rameur aussi. À chaque fois, on change de rameur. Parce que même un rameur seulement en change, ça peut beaucoup jouer. Et parmi ces nouvelles recrues, il y a Thierry Albert, numéro 2 de Tupuei, et Matré du club Tenui A. Des rameurs en formation sous la houlette avisée de Billy Tupia, un coach en quête de performance. Et justement, cette année, ils partiront pour la Vendée A en France et au Brésil pour gagner en expérience. Mon objectif à moi, c'est de faire découvrir un peu les jeunes de mon expérience. L'année dernière, on est allé au Brésil. Cette année, on va à la Vendée et au Brésil aussi. Même avec zéro fois, on arrive à se déplacer. On peut dire, Billy, tu es un club formateur. Tu es toujours là à former les jeunes. Et parfois, ces jeunes qui font des transferts dans des grands clubs, à un moment donné, ça ne cogite pas un peu dans la tête de toujours recommencer à zéro. Non, pour moi, franchement, pour être franc avec vous, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi qu'ils arrivent à être dans des grands clubs. Et pour ce déplacement en France, pour la compétition de la Vendée A, le team Tupuei partira au début du mois de mai pour les trois étapes prévues au Sable d'Olonne du 9 au 12 mai prochain.